Jodi a se yon jou ki un peu spécial pour Miami. Donc un peu spécial pour Miami. Donc en cas que nous pas connaît ou bien moun ki pas tande nous peut-être pas connaît nouvelle là, donc nous connaît jodi a yo gagne Super Bowl qu'a fait Miami, donc finale et bien finale finale et bien football américain qu'a fait dans Miami. Donc la fête la fête dans stade Tabernacle de Gloire là nous prêter au stade là pour y faire. Donc c'est dans stade Tabernacle de Gloire là la fête. Donc la petite là été collé et alléluia. Donc c'est là que a fait, c'est là qu'a fait. Donc, ou capable imaginer, donc moun k'a vinn en service midi yo n'a encourage sorti bonheur, capable gen blocus, capable gen trafic, etc. Donc sorti bonheur moun k'a vinn en service 10h, moun k'a vinn en service midi, assurer ou que ou ba tête ou assez de temps pour capable sorti parce que capable gagner embouteillage, donc qui est extrêmement important. Mais ça qui est important, hier on t'a parlé avec Brother Val et puis nous t'a parlé de affaire de Super Bowl la k'a fait jodi a. Et puis la ban moins prix ticket yo, donc yo suivre sport un peu plus passé, moi même pas de compte ticket yo, mais parler à parler y a fait me connaître prix ticket Super Bowl la bal fête là, y a fait me comprendre que soubral chita derrière net, soubral chita derrière net juste en haut ou presque pas ka wè rien, et bien ticket après-midi a pour participer dans match là c'est $10,000. $10,000 sous Bralchita derrière net. Sous Bralchita devant net. Sous Bralchita devant. Ou capable de bouer devant. Eh bien, ticket après-midi a pour match ou là, c'est $70,000. Kounya sous ta remè gon place privée. Côté en haut. Côté ou gagne une chaise qui fait en cuir, en laideur. Pour capable chita avec zami ou capable de prendre une suite pour $300,000. $300,000. Ça veut dire avec comme ticket pour après-midi, on cache ton caille et vous payez mortgage du cash. Et puis il arrive que moun sa yo ka payer l'argent dans dimension sa yo ou konn ki sa yap chercher? Yap chercher yon bagay ki rele la joie. Et il arrive que jodi a nan mois de février, c'est exactement ça n'a étudié comme fruit de l'esprit, la joie. Donc, n'a parlé de la joie comme fruit de l'esprit. Question, hein, c'est qui côté yon moun capable de joindre la joie? Comme nous connaissons, gen moun qui cherche la joie dans bouin. Gen moun ki chache la joie nan nightclub, gen moun ki chache la joie nan plaisir, gen moun ki chache la joie nan sport. Et m pa konnen ganyen, se yon moun ki t'ap di hier la, yo t'ap tande yon moun ki nan barbershop, ki nan coiffeur, et puis le Super Bowl la aprive la, monsieur gade calendrier et puis li ren ni kote, li te gata achete un ticket pour près de $10,000 pour la Super Bowl là, et puis c'est l'heure fin achete ticket al ren ni kote que c'est jour sa le bral marié. Donc on a mis second ti difficulté, est-ce que pour le perdre 10,000, est-ce que pour le marié, est-ce que pour le perdre $10,000? Donc monsieur ta voyon texte là, la demande est-ce que gon moun ki kal le mariage là pour lui. Donc la débat. Est-ce que vous le faites cadeau ticket ou bien vous le voyez au monde? Mais des monde yo chercher la joie yo dans match, dans football, dans différents bagages, ça fait plaisir yo, c'est devant télévision pour y regarder un game. Mes chers amis, question qui devant nous, c'est qui côté monde qui a joindre la vraie joie? Yo monde qui débat question ça, c'est Salomon. Salomon débat de question ça. Monsieur dit comme ça, moi fait toute vie à chercher la joie.
Moi fait toute vie m'a chercher satisfaction. Moi fait toute vie m'a chercher le bonheur. Et puis Salomon c'est un homme qui spécial dans la mesure où l'Éternel permet que monsieur ait expérimenté toute bagaille que moi avais pensé qui t'ait capoté le bonheur pour nous. Bon Dieu permet que Salomon t'ait joui bagaille ça pendant près de 40 ans. Après 40 ans d'expérience avec tout son capable imaginer qui capote la joie bayon moun nan la vie, monsieur écrit yon livre. Après le film fait 40 ans a joui tout son pensée qui capote la joie kounya monsieur écrit yon livre. Livre là rele livre Ecclésiaste. Le monsieur commence ce livre là. Comment on connaît le commencer? Monsieur dit, après me fin jouir la vie pendant 40 ans, mais ça m'apprend. Vanité des vanités. Tout des vanités. Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité. Vanité signifie yon bagay qui vanité. Ça veut dire son bagay qui pas duré pendant longtemps. L'année vini, l'année passé, ou comprenez, mais yon bagay qui vain. Son baga qui pa gen substance, yon baga qui vain, son baga qui pa gen andan, yon baga qui vain, son baga qui léger, son baga qui pa gen fondement, etc. Il dit me rends moi compte que vanité des vanités, tout est vanité. L'apôtre Salomon dit où vanité des vanités, tout est vanité. Piga ou prend ça à la légère. Piga ou prend ça à la légère. Parce que Salomon c'est yon nan moun qui jouit de tout plaisir moun sa te capable offrir. De tout bonheur qu'apparemment moun lan te capable offrir. Tout d'abord, Salomon, c'est yon qui te gagné la célébrité. M'pap prend temps pour m'bon tout verset de référence pour n'aller rapidement, mais évidemment, m'ap jeune tout nan livre là. Salomon, c'est yon qui te gagné la célébrité. Salomon, son homme qui te tellement célèbre. La Bible dit dans le livre des rois, 1 roi 10, la Bible dit comme ça que t'es une femme qui était reine en Éthiopie, qui était la reine de Séba. La Bible dit la reine de Séba sortit tout côté en Éthiopie, en presque en Afrique du Sud, et bien, li montait, li traversait, montait en Afrique du Nord, et puis pour l'aller juste dans Israël, pour la rencontrer Salomon. Pour qui ça t'a rencontré Salomon? Parce que l'elle fait t'en parler de Salomon. Il a parlé de la gloire de Salomon. Il a parlé de sagesse de Salomon. Il a parlé de richesse de Salomon. Mamzelle dit menti, c'est la vraie. L'impossible. L'impossible pour moun gen toute connaissance ça. L'impossible pour moun gen toute l'argent ça. L'impossible pour yon moun gen tout organisé. Eh ben vrai. Moi même bral gade pour me capable de démentir nous. Mamzelle prend chariol, il prend toute salle de gagner et puis l'aller. Et puis la Bible dit dans 1 roi chapitre 10, l'elle rive la caille Salomon, li gade royaume Salomon, li gade sal à manger Salomon, li gade serviteur qui a servi Salomon, li gade parole qui a sorti dans bouche Salomon, li pose Salomon toute question qui plus difficile. Et puis roi dit c'est quand coup ABCD, li teye pour Salomon, l'elle finit, la Bible dit la reine de Séba dit Salomon, moi t'ai tendé parler de ou même, moi pas voulais quoi. Ça yo te dit non, li dit l'aime vini, moi rend moi compte que yo pas te raconter la moitié de ta gloire. Amen. Hallelujah, met by bon Dieu pour ça parce que c'est les bon Dieu appelé. Li dit yo te dit ça, m'pas de quoi. Mais dit l'aime vini. Moi rend moi compte que yo pas te raconter la moitié de ta gloire. Salomon Salomon c'était une célébrité. Si n'a parlé de célébrité, ça joue aussi. On va parler de chanteurs qui célèbrent. On va parler de sportifs qui célèbrent. On va parler de écrivains qui célèbrent. Salomon, c'est ton célébrité. Il était tellement célèbre. C'est pas mou normal. C'est pas mou normal qui était fanatique Salomon. C'était les rois de la terre qui t'a sorti tout côté pour être capable de rentrer dans la présence de Salomon. Et puis malgré Salomon, t'es célèbre comme ça. Salomon fin enjoy célébrité pendant 40 ans. Après l'elle pour recul et puis l'analyser célébrité. Il dit ouais, a fait célébrité ça, tout le monde besoin fameux, tout le monde besoin populaire, tout le monde besoin célèbre, tout le monde son star. Il dit après me fin jouir la vie de yon star pendant 40 ans.
me rends moins compte que vanité des vanités. Tout des vanités. Salomon, non seulement lui c'est un monde qui était une célébrité, mais Salomon c'est une qui te gagne l'argent. Soit parler de monde qui te gagne l'argent dans la vie. Ah, Salomon c'est ton autre dimension. Salomon c'est la Bible racontait dans le livre des rois. Là elle a parlé de richesse de Salomon. La Bible fait connaître que Salomon le monsieur était la caille. Le Salomon a mangé toute cuillère, tout ustensile la caille Salomon dans 1 roi 10. La Bible racontait tout ustensile la caille Salomon. Là on va rentrer lit Bible dans 1 roi 10 l'arrivée la caille. La Bible dit l'arrivée la caille Salomon pour manger. Salomon pas servi avec verre. Salomon pas servi avec plastique. Salomon pas servi avec assiette faïence. La Bible dit l'arrivée de la caille Salomon, depuis ses cuillères, depuis ses fourchettes, depuis ses gobelets, depuis ses chaises qu'il a calées, depuis ses trônes, toutes faites en or pur. Le la Bible a raconté richesse monsieur, bam li ou détaillé. La Bible dit Salomon te gagné 1400 chars, 12 000 cavaliers, plus toute l'autre bagaille que monsieur dépossédait, 1400 chars, 12 000 cavaliers. Bon, m'explique ça, ça veut dire 1400 chars, 12 000 cavaliers. Dans le temps de Salomon, tu as gagné plusieurs moyens de locomotion. Sous tes pauvres, ou tu as marché à pied. Si ou t'es sous t'es kankou par exemple, n'te ka di yon basse classe moyenne, ou t'achètes ton bourrik. Si kounya ou t'es nan yon haute classe moyenne, ou bien ou t'es, yeah, sous t'es nan haute classe, sous t'es nan basse classe moyenne, sous t'es nan classe moyenne, ou t'achètes ton bourrik. Soutenant yon haute classe, ou t'es acheté yon cheval. Parce que songez cheval, c'est bagay, général t'es kon monté, politicien t'es kon monté, Alexandre le Grand t'es gen cheval, différents grands généraux de l'armée, nan tan sa, yon t'es gen cheval. Pharaon t'es gen cheval. Donc, soutenant pas vous t'es marche à pied, soutenant yon classe moyenne comme ça, ou t'es gon bourrik. Sous c'est une qui t'est dans une haute classe ou t'es gain cheval. Sous t'es extrêmement riche, sous t'es riche ou t'es fait partie de l'élite économique qui t'est riche ou t'es gain un char. Jodi a comment t'es qu'a dit ça là? Comment t'es qu'a considéré? On nous dit si c'est jodi a on nous dit ou pas de moyen, on nous dit t'es pauvre ou pas de moyen. Et puis ou t'as style parce que jusqu'à présent il y a monde qui est dans style pas qu'à afford de machine. Nous songe l'aime de New York, nous même qui te connait marcher à pied, te connait dit nous prend Boss 11, ça veut dire 1 avec 1. Vous comprenez ça, you tourne 1 and 1. Depuis on prend Boss 11, ça veut dire on a marché. Et donc ça veut dire sous pauvre ou pas capable ou bien pas de moyen ou bien ou en bas net ou vin prendre Boss 11. Ma bon exemple dans Miami. Si ou dans classe moyenne cheval là, n'te ka di bourrique là dans Miami jodia, bon n'te ka considérer yon machine pour acheter non classe moyenne, li capable yon Toyota, bakon li kon Toyota Camry, li capable yon Toyota Corolla. On nous dit comme ça, yon bourrique t'a considéré comme yon Toyota. Ça veut dire yon moun ki gon ou enterré, yon classe moyenne la prenté. Yon cheval li t'a considéré comme yon moun k'ap kouri yon Mercedes, k'ap kouri yon BMW, k'ap kouri yon Range Rover, etc. Ça c'était yon ça ou t'es ka considéré comme yon cheval. Mais yon moun ki t'a mené yon char li t'a considéré comme yon Rolls-Royce.
En cas qu'on va connaître le prix en Wall-Swall, c'est à peu près $250,000. Donc cela veut dire, sous un char, c'est un monde qui a un Rolls-Royce, qui a un Ferrari, qui a un Lamborghini, machine qui a $200,000, $250,000 et up. Kounya, bon m'imagine. Donc, yon char, l'étape équivalent de yon Rolls-Royce, c'est juste qui a 250 000. La Bible dit comme ça que Salomon, la Kaili, l'était gagné 1400 chars qui t'est parqué la Kali. Si c'est Jodia, ça veut dire Salomon t'a gagné 1400 Rolls-Royce qui parqué en de la Kali. Pour machine normale, yo qui t'est équivalent à cheval, ou son j'aime de tout, cheval là c'est équivalent Mercedes, Range Rover, etc. La Bible dit Salomon, non, ça yo, l'était gagné 12 000. Imaginons, yon moun ki chita qui gagne 1400 Rolls Royce devant Kaili et puis qui gagne 12 000 Mercedes, BMW, Rolls Royce, 12 000. La Bible dit qu'on ça pour Salomon fait parking li, li te oblige bâti yon ville. Li oblige bâti toute yon ville pour parquer machine li. Pour parquer ça te possède. Charles Salomon avec chevaux, Salomon te gagné, li bâti yon ville, rien pour le kapake. Mon ka imagine, lo gagné 12 000 véhicules pour paquer, 1400 chars, ou obligé gonti ville pour paquer, ou obligé gen moun kap teke yo, obligé gen moun kap veye yo, etc. Donc, ou ka imagine, moi dis ça pour un bon exemple, la Bible, bon, ou ka imagine la fortune de Salomon. La Bible dit, les Salomon a mangé chaque jour en de Kaili. Tout bagay sa yo a plié dans le livre de wa. Les a mangé en de Kaili chaque jour. Salomon touye 30 bœufs. Chaque jour. Li touye 100 cabrit. Chaque jour. Sans compter chicken, sans compter tout l'autre bagay qui te existe. Son bagay extraordinaire. Donc Salomon te konn sa l'argent. La Bible dit, Salomon l'entend parle. Il était tellement fait Israël riche que les gens qui te joignent l'argent à terre, la Bible dit qu'il n'y a pas de prendre. Parce que l'argent à terre, il était en couche. Et puis, les Salomon fin jouit tout l'argent, ça y est. Ou qu'on qui ça, Salomon dit? Salomon dit vanité des vanités. Avec tout Rolls Royce, ça y est. Avec toute Mercedes ça yo, avec toute BMW ça yo, avec toute Lexus ça yo, toute Range Rover ça yo, li di vanité des vanités. Tout des vanités. Salomon cherche la joie dans célébrité. Li wè célébrité, popularité pa bay la joie. Salomon cherche la joie dans l'argent. Li wè l'argent pa bay la joie. Ah, Salomon dit, si vous n'avez pas de bagage à la joie, eh bien, pitom, bon chercher quelques belles bébés. Parce que je dis que ça, monsieur, l'on n'est pas bon femme en bas bras ou qui est content. Il dit, bon, prends la joie dans quelques belles bébés. La Bible dit comme ça, Salomon te gagne 700 madames. 700 madames. 700 madames. La Bible dit non seulement 700 madames, et puis il dit, madame, il dit, Salomon te gagne 700 madames, il dit, des princesses. C'est pas mon normal, non papa. C'est pas mon normal, c'est pas mon cap goul bal en soleil et puis ou comprendre moi qui pas gen cheveux là pour yo font chou, c'est râler. Camela. Eh! Pas ça, non papa, pas ça. La Bible dit monsieur choisi 700 princesses. Ça veut dire parfait. Qui pas la vie a pas battu même 700 princesses et malgré ça ça passe pour lui. La Bible dit il t'a gagné 300 girlfriends sous côté quand même. En tout monsieur était sous 1000 madames. Et puis malgré Salomon fin enjoy toute bagaille ça yo. Ou konn ki ça Salomon dit vanité des vanités. Tout est vanité. Après Salomon fin passer toute bagasse yo en revue. Li fin passer toute bagasse yo en revue. Salomon
écrions bagaille. Allez dans Ecclésias chapitre 12 avec Ecclésias chapitre 12. Ecclésias chapitre 12. Almost the last verse, so I don't know if it's going to be the same verse in the electronic version, verset 13. Donc, dans le livre d'Ecclésias, après Salomon finit raconter tout ça, le jouit. Et ça, nous seulement bon trois. Dans le livre, là, je parle d'un paquet d'autres bagailles, connaissance, nous seulement bon trois. Mais après Salomon finit passer en revue toute bagaille, et puis les qu'on livre, et puis dans la conclusion, regardez qui ça dit, non, keep it there where it was, et puis regardez qui Salomon. Salomon dit comme ça, m'jouis l'argent, moi c'est vanité. M'jouis connaissance, moi c'est vanité. M'jouis célébrité, moi c'est vanité. Plus tard, il dit, m'jouis la jeunesse, moi c'est vanité. M'jouis manger, moi c'est vanité, etc. Et puis monsieur dit, Kounia, il dit qui ça? Il dit, écoutons la fin du discours. Parce que m'fin dit, tout le bagage c'est vanité. Mais il dit, bon, finalement, bon m'jou, ça m'vle d'où là. Écoutons la fin du discours. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que ce que doit faire tout homme. Salomon dit, après m'fin jouir l'argent, après m'fin jouir plaisir, après m'fin jouir connaissance, après m'fin jouir célébrité, après m'fin jouir toute bagarre dans le monde. Et puis moi, youn pa ka satisfait. M'arrive avec une seule conclusion. Crains Dieu et observe ses commandements. En d'autres termes, seul quand on a joué la joie, satisfaction dans la vie, c'est le marcher avec bon Dieu. C'est le compte bon Dieu. C'est leur relation avec bon Dieu. C'est le marcher dans l'obéissance avec bon Dieu. C'est seul côté l'homme qui a joué une vraie satisfaction dans la vie. C'est ça qui fait chanter toute la vie, moi. Moi, t'as souffri. T'as cherché. Yon globe pour moi. Qui t'as soulagé pour tout le temps. Soif ça qui t'est plein que moi. Et puis là, il dit, mangez le monde. T'es rempli, moi. Moi, mais pas de paix du tout. Il dit, mais tout ça, moi, t'as rassemblé. Pas de faire rien pour n'en moins. Mais il dit, à l'instar de la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus au bord du puits de Jacob, il dit, alléluia, moi, joigne Jésus que longtemps n'a moins cherché. Jésus satisfait tout que moi. C'est par son lit, moi, sauvé. Shekinah app. Téléchargez-le Kounia.